Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonsoir à tous, J-5 avant le choc de la 20e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Marseille toute la semaine. Dans le Clubhouse, nous vous proposerons des images et réactions des Marseillais avant ce choc. Comment prépare-t-on cette rencontre du côté des Marinés Blancs? Dans quelques instants, Fernando Meneghazzo sera parmi nous pour nous l'expliquer. Avec Marius Trésor, nous reviendrons sur la qualification des Girondins de Bordeaux en Coupe de France. Et à la fin de cette émission, une surprise. Vous le savez, cette année, les Girondins de Bordeaux fêtent leur 130e anniversaire. Voilà, avec Fernando Meneghazzo sur le plateau du Clubhouse. Bonjour Fernando, tout d'abord. Bonjour. On va commencer par les politesses élémentaires. Ça va bien? Ça va, ouais, ça va bien. Je suis parti bille en tête, moi, parce que je suis sur Marseille, focalisé, je l'ai dit dans le sommaire, J-5, c'est le choc de cette 20e journée de Ligue 1. J'imagine que, oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous tous êtes concentrés sur cette rencontre à présent. Ben, quand on joue à ce niveau-là, on aime bien ce genre de match. Donc voilà, on va affronter les favoris du championnat. On est bien motivés, on a toute la semaine encore devant nous pour bien travailler et préparer ce match-là. Pour vous, c'est le favori du championnat, Marseille ? Ben, Marseille-Lyon, je dirais, peut-être Paris qui a démontré de bonnes choses, mais pour moi, ça reste encore les deux puissances déjà économiques de notre championnat. On a vu même pendant le mercato. Ça veut dire que quand on a un très bon joueur qu'on voit à Nice et Marseille, ils sont capables d'aller les chercher. Quand on voit le meilleur joueur de Toulouse, ils sont aussi capables d'aller les chercher. Mmh. Et d'un autre côté, on voit Lyon aussi qui est venu nous chercher notre meilleur joueur aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, dans la durée, tous ces efforts qu'ils ont faits, ça peut payer. Actuellement, c'est Lille qui est en tête du championnat de Ligue 1. Vous ne voyez pas forcément Lille être champion cette saison? Je dirais que mes favoris, ça reste encore Marseille-Lyon. Après, bien sûr, je parlais des paris. Lille, je ne sais pas s'ils vont avoir, ils vont réussir à tenir jusqu'au bout. Mais c'est une bonne équipe aussi. Fernando, vous parliez de Marseille. On va revenir sur ce déplacement au Stade Vélodrome. Comment on prépare justement ce choc? Est-ce qu'on a une préparation différente que pour les autres rencontres, que ce soit physique ou mentale, je ne sais pas? Ben, mental peut-être. Peut-être qu'en ayant une préparation différente mentale, parce qu'on sait qu'ils sont plus forts que nous, ça veut dire qu'on sera peut-être beaucoup plus concentré, qu'on a même dans la semaine un petit peu l'envie de faire quelque chose de plus, mais ça c'est un peu humain, c'est que quand on va affronter une équipe et qu'on s'est dit, entre guillemets, moins forte que la nôtre, on va se dire que ça va être facile, et après on voit sur le terrain que c'est pas le cas. Mais avant que ça arrive, par exemple au match contre Marseille, on s'est dit, voilà, je vais affronter, dans mon cas, peut-être les deux attaquants de Marseille, très fort, très costaud. Et la préparation, bien sûr, elle est dans la concentration et pendant la semaine aussi. Vous parlez des attaquants phocéens, Loïc Rémy, André-Pierre Gignac, Brandao, votre Brésilien aussi, de l'effectif de marseillais. Vous attendez justement à quel attaquant à quelle composition? Moi, je sais pas, mais je crois que n'importe lequel des trois, c'est des très bons joueurs. Donc, c'est à nous d'être très costauds mentalement et aussi physiquement pour tenir soit Brandao, soit Gignac. Après, c'est des caractéristiques différentes. Brandao, c'est que c'est très fort de la tête. C'est quelqu'un qui aime garder le ballon, faire sortir leur équipe. Et Gignac, c'est quelqu'un qui fait des appels. C'est quelqu'un qui fait toujours des appels vers le but pour marquer des buts. Mmh. Donc, moi, dans tout cas, moi, je préfère jouer contre des joueurs comme Gignac que contre des Brandao, parce que voilà, c'est pas trop ma caractéristique, le contact physique et tout ça. Donc après, on verra. J'ai à côté de moi Cyanik. C'est plus sa caractéristique. Oui, voilà. C'est plus effectivement sur ses qualités. Je me souviens de Carlos Henrique qui avait dit justement que marquer Brandao, ça avait été un de ses pires cauchemars. C'est un des attaquants les plus compliqués à marquer. Ouais. Hein. Certainement oui, quand les défenseurs centraux devaient marquer Marouane, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Et Marouane, c'est quelqu'un qui
qui n'a peur de rien.